Nous n'avons plus de temps pour le débat et donc c'est la période de la déclaration des députés. J'ai un trou. York Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole ici pour reconnaître et honorer la vie des résidents Domenico and Wishon. Monsieur Domenico a perdu la vie récemment, entouré par sa famille dans le confort de sa maison. Il essayait toujours d'aider les autres. C'était un président du groupe des aînés où il agissait beaucoup. Dominicus, la famille de Dominicus le décrivent comme quelqu'un qui est un excellent mari et père qui a immigré d'Italie au Canada dans les années 94 et il avait beaucoup d'amour pour sa famille et pour sa communauté. Il n'y avait pas un moment où il n'offrait pas quelque chose à ses voisins. Cela témoignait ses racines de générosité de sa maison. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour notre circonscription, pour sa communauté. L'aime beaucoup et son patrimoine de générosité sera toujours honoré. Mes condoléances à sa famille et je vous laisse avec une citation. Ma maison est votre maison. Saluto. Merci. Déclaration des députés. Député de Eglinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Il y a deux semaines, j'ai accueilli le Premier ministre et le ministre de l'Éducation à un lycée dans ma circonscription pour annoncer un investissement de 55 millions de dollars pour prolonger et construire des écoles dans ma circonscription. Loreto Abbey est dans son école depuis 1997. Elle a été fondée lorsque des sœurs sont venues d'Irlande au beau milieu d'une pandémie et ont créé une école de filles qui a été nommée après au nom d'une école d'une ville d'où elle venait. Sœur Yvonne était la principale de l'école pendant de nombreuses années. Elle a partagé avec moi qu'elle a reçu des milliers de courriels d'anciens élèves qui étaient très contents de l'annonce. Et Sister Yvonne elle-même m'a dit que c'était le jour le plus beau de sa vie. Il y a quelques années, les sœurs qui restaient ont déménagé et le Conseil scolaire catholique de Toronto a acquis le bâtiment en 2011. Ce financement va permettre de moderniser l'école et va permettre de restaurer le couvent. Et je pense que beaucoup d'élèves vont continuer d'avoir d'excellents souvenirs à cette école. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député de Brampton Est. Merci, Monsieur le Président. Chaque année, ça me fait du mal d'écrire ce discours. Comment est-ce que mes mots peuvent capturer l'horreur du génocide? Des gens comme moi qui devaient se cacher des mobs de gouvernement qui ne voulaient que les assassiner. On leur versait de l'essence sur la tête pour les brûler vifs, pendant que la police s'arrêtait et regardait, ou alors participait au meurtre. Des officiers élus qui étaient assis dans un parlement et qui ordonnaient ces meurtres et qui ont brisé leur serment de protéger, de servir. Des enfants ont été décapités, des femmes ont été violées. Ça fait 36 ans. Qu'est-ce que je peux dire de plus au sujet de 1994, autre que nous n'oublierons jamais la violence et le génocide auquel on a fait face dans les mains du gouvernement indien. Et on va continuer de se battre pour la justice. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député de Thornhill. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais prendre le temps d'honorer les vétérans et
Je veux également remercier mon collègue de Flamborough qui a présenté le projet de loi qui va permettre d'exalter les vétérans qui aimeraient avoir des leur titre de vétéran sur leur permis de conduire. Et aussi pour le projet de loi dont on a parlé cette semaine, pour honorer les vétérans qui ont servi notre pays. Et je veux honorer les sacrifices qui ont été faits par nos vétérans juifs. Il y avait 17 000 vétérans juifs qui ont servi le Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et chaque jour du souvenir, on essaye de les honorer. L'année passée, on les a inclus et cette année, on aura peut-être une cérémonie virtuelle. La cérémonie a généralement lieu au centre communautaire à Yorkshire. Et je pense que notre ancien premier ministre participait chaque année. Et il y a des traditions d'histoire qui se font chaque année. Et c'est important qu'on fasse la même chose avec les vétérans, qu'on partage leur histoire et qu'on mette en lumière leurs sacrifices et on se rappelle de chaque jour et pas seulement le jour du souvenir. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député de Parkdale High Park. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour appuyer les militants pour la terre. Cette nation a vécu pendant des années, des milliers d'années, depuis le début de la fédération. Ils ont droit de propriété sur cette terre. Leur droit n'a pas été reconnu, comme on le voit souvent en Ontario. Et là, maintenant, ils font face à une éviction de leur terre. Ils ont vu le gouvernement provincial et fédéral les ignorer encore et encore pendant que leur terre leur est volée. Ils ont passé des années et des années au tribunal pour demander à ce que leurs droits soient respectés. Et aujourd'hui, le premier ministre Ford fait la même chose. Avoir une mise en exécution de la police de façon unilatérale n'est pas un signe d'une relation d'une nation à une autre. Et forcer ces jeunes et cette nation à être expulsés de leurs droits et ignorer leurs droits, il faut que ça s'arrête maintenant. Je réitère les propos des chefs de leur nation et de leur conseil dans leur appel pour avoir un moratoire sur l'aménagement et pour qu'il y ait une négociation d'une nation à une autre qui est pleine de respect. Merci. Député de Milton, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui en reconnaissance de Food for Life. C'est une organisation communautaire qui est dirigée par deux leaders dans ma circonscription. Elle aide les plus vulnérables pour qu'on puisse mettre une fin aux personnes qui luttent avec la faim dans la circonscription. Et ils travaillent avec des producteurs alimentaires et ils reçoivent de nombreux dons là-dessus. Ce van qui est constamment réfrigéré va permettre que la nourriture soit distribuée pour les personnes qui en ont besoin. Le mercredi soir, ils offrent des dîners gratuits. Ils le font également les dimanches de 17h à 20h en collaboration avec d'autres restaurants. Je remercie ces deux leaders pour le travail qu'ils font pour leur communauté et pour avoir fait une grande différence. Merci. Déclaration des députés. Député de Windsor-Tecumseh. Bonjour, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour vous dire que les gens de ma circonscription ont collecté des fonds pour leur
pour leur hospice local. Le concept est très simple. On demande tout simplement de faire un don de 10 $ par personne. Et on peut demander à 9 de ses amis de donner également 10 $. Et c'est comme ça qu'on réussit à collecter des centaines de milliers de dollars pour une bonne cause. Et le vice-président des communications et des relations communautaires du Collège St. Clair College, depuis 20 ans, a justement eu plusieurs spectacles là-dessus. Et cette année, la campagne, bien que les fonds ne sont pas suffisants à cause de la COVID-19, on a réussi quand même à collecter 96 000 $. Depuis 18 ans, M. Ferry a aidé à collecter plus de 1,2 million de dollars pour notre hospice local. Tout l'argent qui est collecté va directement au personnel et aux résidents. On aide à appuyer les patients et leurs familles pendant leur séjour à l'hospice. Et j'ai porté leur chapeau ce matin et je tire mon chapeau à ces leaders pour tous leurs efforts pour cet hospice. Merci. Merci beaucoup. Député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. La semaine de la prévention du crime, c'est le temps parfait de souligner le partenariat entre la police de Guelph et l'association de santé mentale de Waterloo-Wellington. Et il est clair que le modèle de police en ce moment n'est pas équipé de façon appropriée pour répondre aux problèmes de santé mentale. Alors je remercie le chef de la police, Gord Cobb, et son personnel qui a reconnu les limites en termes de réponse de santé mentale et l'impact a été un vrai succès. L'équipe de réponse de crise a permis au coordinateur d'aider plus de 130 personnes des hôpitaux au cours des 5 derniers mois. Le résultat a permis que les agents de police puissent se focaliser sur les besoins de sécurité communautaire et cela a été reflété dans leur formation. Et en deuxièmement, de répondre également aux appels et réduire le traumatisme pour les gens. Et ce partenariat a permis... Ce partenariat marche bien, mais malheureusement, il a également des limites parce qu'il y a moins de financement. La police de Guelph est financée 24 heures sur 24 et donc il devrait également avoir le même financement pour cette équipe, qu'on ait le même impact pour toutes les autres communautés partout en Ontario. Merci. Merci beaucoup. Rappel à l'ordre. Déclaration des députés. Député de York Center. Merci. Je prends la parole pour honorer les 2,3 millions de vétérans qui servent et qui continuent de servir notre nation. Et les 118 000 Canadiens qui ont payé le prix ultime pendant qu'ils servaient. Lorsque le monde était en guerre, le Canada a défendu ses alliés. On doit se rappeler de tous les Canadiens qui ont servi et qui ont perdu la vie pour aider dans les conflits et dans les guerres de maintien de la paix. On doit se rappeler des 650 000 Canadiens qui ont servi dans la Première Guerre mondiale et les 66 000 qu'on a perdus, les millions de Canadiens qui ont servi dans la Deuxième Guerre mondiale et les 45 000 qui ne sont pas revenus, les 26 000 Canadiens qui ont servi dans la guerre de Corée et les 516 qui ne sont pas revenus, les 30 000 qui se sont battus au Vietnam et les 134 qui ne sont pas revenus. On se rappelle également des 56 000 qui ont servi dans les missions de maintien de la paix et les 23 qui ont perdu la vie lors de ces missions. On doit également se rappeler plus récemment, en 2001 et 2018, 40 000 Canadiens qui ont servi dans la guerre de l'Afghanistan. Au total, ça fait 158 Canadiens qui avaient perdu la vie dans la guerre contre les talibans. Toutes ces personnes qui ont perdu la vie défendaient nos valeurs. Je suis fière d'eux et je suis fière des Canadiens. Que Dieu bénisse les forces armées canadiennes. Thank you. Member statements, the member for Barrie. Déclaration de député, la députée de Barrie-Innisfil.
Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour saluer Mike et Jennifer Richardson. Ce week-end dernier, ils ont organisé un concours d'Halloween où les billets ont coûté 10 $ et c'était en fait une collecte de fonds pour une banque alimentaire. Elle avait pour objectif de décorer 50 maisons. Merci aux commerçants qui ont donné des prix. Nous avons pu récompenser 13 gagnants grâce aux entreprises telles que Cookstown Antique Market, Sweet Home Essentials, pour en nommer quelques-unes. Aujourd'hui, Jennifer a annoncé une autre activité communautaire qui s'appelle Light It Up Innisfil, où elle encourage les résidents de décorer leurs maisons durant la période des fêtes. Et donc, c'est aussi une collecte de fonds pour la banque alimentaire d'Innisfil. Comme les autres entreprises qui font beaucoup dans notre communauté, il y a Lavender Floral. Et en fait, Dan Davidson, maire adjoint, a fait un don. Merci au maire qui a participé, merci aux conseillers municipaux et à notre député fédéral. Thank you very much. Merci. That concludes our member statement. Le temps pour les déclarations.